Mon message à toute personne qui discriminerait les enfants handicapés ou les femmes handicapées, c'est que personne n'est à l'abri. Demain, tu pourrais avoir un accident et trouver un handicapé alors que il y a 2 jours, tu te moquais des autres. Donc, il faut plutôt, surtout, mettre ensemble les efforts pour essayer de faciliter la vie aux personnes handicapées, pour leur permettre eux aussi d'émerger, de faire quelque chose pour le développement du pays.